فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا الله أكسبت إن شاء الله جو في سابورتو يا حي يا قيوم أكسبت يا جبار أمين. Alors on va commencer Inch'Allah, je vous préviens. J'espère que vous vous êtes bien installés. En même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée ensemble autour de Kalam Allah. Donc on va en profiter. Puis en plus, comme ça fait longtemps qu'on ne peut pas se retrouver à la mosquée, eh bien je vais m'en donner à cœur joie, comme on dit. Et je vais en profiter. Pardonnez-moi pour le temps que ça va prendre, mais je vous préviens. La soirée va être longue et le rappel va durer, allez, je vous le dis tout de suite, 2 heures. Faudra bien compter 2 heures ce soir, donc installez-vous bien. Et puis, de toute façon, ce rappel sera toujours disponible par ailleurs, soit via la chaîne Rappel et Éveil Spirituel, soit via un enregistrement. Et puis, autre chose, c'est qu'avec l'aide d'Allah, l'objet de ce rappel, va faire le. Inch'Allah sera publié dans un ouvrage. Donc, pas d'inquiétude, il y aura toujours une trace audio et puis une trace avec l'aide d'Allah par écrit. Et vos doigts sont les bienvenus pour nous aider dans cela. Donc, voilà, installez-vous bien et puis c'est parti comme pour un bon film. Alors, il y en a qui sont à Dubaï et il est minuit. Bon, bah, alors c'est une soirée pyjama. Qui s'entame parce que vous risquez de finir à 2h du matin. Fakhir, Inch'Allah, il y en a qui... vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas déjà passé 2h devant un film. Donc, je vais... En tout cas, pourquoi 2h? Parce que je vous avoue que le thème qu'on va traiter, il est important. Que ce que nous sommes en train de vivre, c'est pas simple. Et que il va bien falloir que... je vais essayer, comme j'ai l'habitude de faire, d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de dire, en fait. Voilà, c'est... J'arrive pas, c'est pour ça que j'ai écrit des livres, j'arrive pas à faire à moitié les choses. Du moins, j'arrive pas à dire un petit peu et puis à dire on se reverra après. Je dis tout et puis parce que je sais pas déjà ce que sera demain et si je serai là demain. Donc au moins, j'essaye de faire ma part, Inch'Allah, comme le colibri. Donc on va, durant ce rappel, je l'espère, trouver, comme je l'avais annoncé sur les pages Facebook, sur Facebook et sur Insta, etc., je vous invite à venir participer à ce rappel pour trouver de l'apaisement, du réconfort et puis apprendre un certain nombre, Inch'Allah, d'informations pour comprendre. Mais le seul but de ce rappel, c'est de nous rapprocher de Dieu, d'aimer Allah et se faire aimer de lui en suivant, Inch'Allah, la méthodologie et les invocations pieuses de ceux qui nous ont précédés dans la foi, Inch'Allah. Alors, je ne pourrais pas lire, apparemment on me dit que le son, ceux qui sont sur Facebook, on les invite à aller sur Insta parce que d'après eux, le son serait beaucoup mieux sur Insta. En tout cas, sachez que je ne pourrais pas lire tout au long du rappel parce que sinon, je vais perdre le fil. Et je vous avoue que j'essaye toujours de construire mes rappels en choisissant chaque mot de sorte que de vous amener là où... où ma pensée va et pour vous amener dans la construction de la pensée, Inch'Allah. Donc, il y a un rythme, il y a des étapes et si je suis coupée dedans, je vais avoir beaucoup de mal à le suivre, Inch'Allah. Mais bon, de temps en temps, je tâcherai de regarder quand même s'il n'y a pas un couac parce que ça peut arriver. Et puis, au vu du nombre de temps qu'on va avoir à passer ensemble, il se peut que mes batteries lâchent et j'espère pas, Inch'Allah. Ya Rabbi. Donc pour le lien Insta, il me semble que c'est myriam.lagdar, un truc comme ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc on y va, bismillah, et que Dieu nous accorde inshallah l'art d'expliquer, l'art d'interpréter et de transmettre. En arabe c'est l'art du tafsir, l'art du ta'wil et l'art du balagh pour comprendre et saisir ce qu'on a à vivre et ce qu'on est en train de vivre. Amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez bismillah, on commence. On commence par la meilleure des créatures,
et qu'Allah lui envoie notre salam, inshallah. Et on essaye à chaque fois de répéter sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Dieu en faveur d'Ibn Abbas radiyallahu anhu arda, en disant Allahumma faqihhu fi d-din, Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil, c'est-à-dire Dieu, accorde-lui la compréhension profonde dans le domaine du din et enseigne-lui le ta'wil. Dieu, accorde-lui la compréhension profonde dans le domaine du din et enseigne-lui le ta'wil. Le mot din en arabe, en réalité, il est sans équivalent en français, bien que souvent il a été traduit par le mot religion. Mais vous savez que pour nous, le mot religion et le mot islam, ça englobe énormément de choses. Et ce mot, il est beaucoup plus riche que ça et ça désigne en réalité la nature entière de l'islam. C'est un système complet qui est tout à la fois religieux, sociétal, juridique et une hygiène de vie, un mode de vie qui est tourné vers la soumission de l'individu et de la collectivité à une divinité unique qui est Allah subhanahu. Donc si on, avec ce sens qu'on comprend et cette invocation elle va prendre encore plus d'envergure quand il fait ce doua en disant Allahumma faqihhu fid-din, accorde-lui la compréhension profonde finalement dans tous les domaines. Et puis quand il dit faqihhu, il y a dans ce terme la notion de jurisprudence, donc une notion de compréhension comment profonde et juste, parce que dans jurisprudence il y a la justice. Donc une application de la justice dans tous ces domaines, et puis si on a donc bénéficié de la science, du ta'wil. Et ce qu'on peut saisir d'important dans cette invocation, c'est quoi? C'est qu'il y a une différence notoire entre connaître et savoir. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Il y a une différence notoire et importante entre connaître et savoir, entre la connaissance et le savoir profond. Et je vais vous demander un peu de concentration car je vais me permettre d'expliquer ce prérequis qui va être important pour la suite du rappel, en espérant pas en perdre en route dans mes débats philosophiques. Mais c'est important de comprendre. Donc, on est, je pense, d'accord sur le fait qu'on peut avoir des connaissances sans les utiliser. Ou du moins sans avoir su les utiliser pour, pourquoi ? Pour une réforme intérieure. Il y a combien de spécialistes de la langue arabe et du Coran qui n'en ont pas vu la lumière ? Donc connaître, et donc la connaissance, c'est la science de l'extérieur. C'est une somme d'informations qu'on t'invite à connaître et à apprendre, des ilms, hein, un ilm, et tu en feras ou pas une utilisation à l'intérieur. Donc le savoir, quant à lui, c'est plutôt un accomplissement personnel, c'est ce que l'on, en fait, c'est ce que t'ont permis de comprendre à l'intérieur les connaissances que tu as et auras acquises à l'extérieur. Le savoir, donc, si on le comprend de cette façon, ben c'est fortement lié à l'expérience. Parce qu'il y a une idée de maturation. C'est-à-dire qu'il y a un traitement de tes connaissances, de l'information, il y a un traitement de vérification, et puis in fine, d'acceptation ou pas. Et d'ailleurs, pour que connaissance devienne savoir, il faut qu'il y ait la phase d'acceptation. Je vais l'expliquer. Le savoir, c'est ce qui te réforme à l'intérieur, et c'est la force qui te permettra, inshallah, d'appliquer, de pratiquer, d'être vigilant et de résister. Parce que le savoir, il est lié à la foi et à la sincérité. Le savoir, il est lié à la foi et à la sincérité. Mais la connaissance, pas forcément. Pour prendre un exemple, dans Sourate Al-Hujurat, au verset 14, Allah, il nous dit quoi? Allah, il nous dit, les bédouins ont dit, nous avons la foi. Les bédouins ont dit, nous avons la foi. Et Allah est de dire, bien sûr, il dit, mais comprenez. Allah est de dire, Paul, dis-leur, ya Rasulallah. Donc, à ces bédouins, vous n'avez pas encore la foi, c'est-à-dire que la connaissance n'a pas pénétré vos cœurs. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc au sujet toujours de ce lien entre nos connaissances et le fait de savoir, comprenez. Tu as vu, tu as entendu,
Tu as appris des choses, des connaissances, des informations. Et bien maintenant, tu sais, ou tu es censé savoir. Et donc, tu ne peux plus te séparer de ce que tu sais, parce qu'on ne peut pas se séparer de son savoir. Et tu te retrouves dans un état dans lequel ben, tu ne peux plus fermer les yeux. Sinon, tu te sens comme trahir, en fait. Ta conscience n'est plus tranquille. Et combien sont ceux qui aimeraient pouvoir oublier ce qu'ils ont fini par savoir. Car dans le registre du savoir sincère, ton silence peut devenir complaisance une fois que tu as su. Les connaissances, elles s'oublient. Mais le savoir, lui, il s'ancre et s'enregistre à jamais. Parce que c'est le savoir qui crée nos certitudes et nos croyances. Quand tu dis « je connais », eh bien ce n'est pas comme quand tu dis « je sais ». Savoir, en fait, c'est savoir pourquoi l'on sait. « Wa ma kadhaba al-fouad wa ma ra'a » et le cœur ne saurait mentir sur ce qu'il a vu et sur ce qu'il a su. Sourate 53, verset 11. Le savoir est dans le cœur et il rejoint notre fitra et nos connaissances sont dans nos têtes. Et on a bien sûr besoin des deux, de ces deux sources. Maraj al-bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Symboliquement, on pourrait dire que les connaissances et le savoir sont deux sources en vase communicant. Et si on reprend ce que je viens de citer sur un verset de Sourate ar-Rahman, on pourrait dire que la connaissance, eh bien, c'est cet océan d'eau salée. Et le savoir, ce serait cette source d'eau douce. Et c'est seulement si Dieu le permet que la connaissance se transforme en savoir. En levant le voile, en levant le voile qui nous empêche de voir et de savoir. Et de faire de nos connaissances, grâce à cette alchimie de la rahma d'Allah, une douceur pour nos cœurs. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala ôter ce voile comme il a exaucé l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Ibn Abbas. Ce voile qui est là devant nos cœurs et qui nous empêche trop souvent de savoir ou d'accepter de vouloir savoir. Et puis, qu'Allah nous aide et nous dote des bons tamis et des bons amis. J'espère que j'en ai pas perdu entre-temps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de demander à Allah, subhanahu, une invocation puissante et lourde de sens. Elle est la suivante. Donc ça, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui demande ça. Qu'Allah nous montre la vérité telle qu'elle est et nous aide à la suivre. Et qu'il nous montre le faux tel qu'il est et nous aide à l'éviter. Je répète. Qu'Allah nous aide, non, pardon, qu'Allah nous montre la vérité telle qu'elle est et nous aide à la suivre. Et qu'il nous montre le faux tel qu'il est et nous aide à l'éviter. Amin. Et Dieu sait que cette invocation, elle est puissante et elle est lourde de sens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de demander à Dieu. Mais Dieu, c'est qui? Dieu qui est celui et le seul qui sait vraiment, qui est celui qui voit vraiment, et qui est celui qui montre à qui il veut. Et il demande à Allah de lui montrer quoi? La vérité. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de préciser dans sa demande, qui lui montre la vérité comment? Telle qu'elle est. Non pas la vérité des complaisances, des apparences, donc une vérité qui serait incomplète, une vérité qui susciterait du doute et qui nécessiterait une interprétation. Non. Il demande la vérité réelle et complète dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a de plus brut, dans son sens apparent et caché, en sachant que toute vérité est lourde à porter et n'est pas facile à accepter, pas facile à avaler, pas facile à admettre, et qu'Allah nous y aide. Idem, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va demander que Dieu lui montre le faux, il lui demande de tout savoir sur le faux, tel qu'il est, pas à moitié, tout, tel qu'il est, dans son sens apparent et caché. Pourquoi? Pour l'aider à l'éviter. Puissions-nous savoir ce que l'on a besoin de savoir. Ni plus, ni moins. Et c'est Dieu qui connaît la quantité et ce que l'on doit savoir. Donc, si savoir, c'est connaître la vérité,
Mais pourquoi? Savoir, c'est connaître la vérité pour l'accepter. Et c'est connaître le faux pour l'éviter. Je répète. Savoir, c'est connaître la vérité pour l'accepter et connaître le faux pour l'éviter. Et Dieu sait que ça ne va pas être facile sans son aide, parce que la vérité, elle est dure à accepter. Et que le faux, c'est dur, souvent, à éviter. Et puis certains, parfois, préféreront choisir le mensonge et le faux, plutôt que d'admettre la vérité. Et vous savez pourquoi? Comme l'a dit Mark Twain, il est plus facile d'arnaquer les gens que de les convaincre qu'ils se sont fait arnaquer et qu'ils ont été trompés. Eh oui, il est plus facile d'arnaquer les gens, je vous jure, que de les convaincre qu'ils ont été trompés. On connaît en islam l'importance du jour de Arafa, Yom al-Arafa. Et on dit d'ailleurs Al-Hajj al-Arafa. Dans le pèlerinage, en tant que pilier principal du pèlerinage. Le mot Arafa, ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez un peu des notions en arabe, pas littéral, mais courant. Ça vient de At-Ta'aruf, At-Ta'rif. Il y a la notion de savoir, de connaître. Cela veut dire se connaître, se reconnaître, se retrouver dans le sens physique, mais surtout spirituel du terme. Et le jour de Arafa, en fait, c'est le jour du pèlerinage. Qui consiste en quoi? Et quand elle nous facilite pour y aller ou y retourner, pour ceux qui y sont déjà allés, c'est le jour où tu te postes devant Dieu et tu dis à Dieu, j'ai appris, j'ai compris et maintenant je sais. En fait, je reconnais la vérité immuable et universelle. C'est le jour, en fait, Arafa, c'est le jour où, et le mot est important, où tu acceptes et tu admets la vérité telle qu'elle est. Et non pas comme toi tu aurais voulu qu'elle soit. Je répète. C'est le jour où tu acceptes et tu admets la vérité telle qu'elle est. Et non pas comme toi tu aurais voulu qu'elle soit. Radaytu rida. Radaytu billahi rabbi. Wa bil islami dini. Wa bi muhammad al-nabi wa rasouli. C'est le jour où le dernier verset du Coran a été révélé, ce qui explique que l'on dise que la religion a été parachevée. Donc, il y a une sorte de parachèvement dans ton cheminement quand tu atteins ce stade où tu acceptes la vérité telle qu'elle est. Ça fait partie du parachèvement de ton cheminement que d'accepter la vérité telle qu'elle est. Le savoir, c'est le but de la connaissance, c'est le parachèvement de tes connaissances. C'est te libérer des chaînes de l'ignorance et se défaire de toutes tes fausses croyances et de tes dépendances. Et certains vont avoir la connaissance, mais ils ne vont pas les utiliser pour se libérer de leurs chaînes. Tout comme une partie des Benou Israël, et suivez-moi, Inch'Allah. On va essayer de faire des fois des bonds dans l'histoire pour essayer de comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Les Benou Israël, donc une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont vu Pharaon être englouti devant leurs yeux et ses sbires, eh bien il y en a parmi eux qui n'ont pas su voir la grandeur de Dieu et ils ont osé dire à Moussa alayhi salam et puis Haroun qui venait de les sauver de l'esclavage et de la tyrannie, de lui dire en fait tu vas nous faire marcher encore combien de temps dans ce désert comme ça? Et certains vont même jusqu'à ressentir une nostalgie en la personne de Pharaon et regretter le temps où ils étaient esclaves. Donc ils vont être et faire preuve d'ingratitude envers Allah. Et puis nostalgiques, ils vont être envers leur ancienne divinité, leur idole. Et on sait ce qu'ils vont faire avec le veau d'or. Donc, ils ont vu avec leurs yeux les plus grands miracles, mais pas avec leurs yeux du cœur. Donc je tiens à souligner ici ce soir l'importance de l'étude de la vie de Moussa alayhi salam en ces temps de fitane et en les temps actuels. Le prophète le plus cité dans le Coran, c'est Moussa alayhi salam, et donc par voie de conséquence son peuple les Banu Israël, et ce n'est pas bien sûr un hasard. Moussa alayhi salam a été envoyé à une époque particulière. Il a été envoyé à une époque particulière où régnait un pharaon. Et je rappelle que ce pharaon se prenait pour Dieu. D'ailleurs,
je vais parler de la définition de qu'est-ce qu'un pharaon. Et il abusait comme jamais de son pouvoir. Et Dieu de nous dire qu'il fera de son corps noyé un signe jusqu'à la fin des temps. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Coran, sourate 10, verset 92. Je vous invite à lire à ce sujet les travaux de Maurice Bicaille et son livre Les momies des pharaons et la médecine, qui a fait des découvertes impressionnantes sur ce qu'a été le pharaon de Moïse, de Moussa, alayhi salam. Dieu a fait que c'est seulement au 19e siècle, il n'y a pas si longtemps, que l'on va faire cette découverte énorme de cette momie, de ce pharaon, durant des fouilles. Mais là, il faut se poser quand même une question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce siècle, le 19e siècle? Est-ce que c'est un hasard? Pourquoi pas avant? Pourquoi tout ce temps passé, caché? Et Allah, je rappelle le verset, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Dieu a fait donc que c'est seulement au 19e siècle parce qu'on a les moyens sophistiqués actuels pour déterminer et étudier bien les momies, oui, mais pas seulement. Ce n'est pas la seule raison. Wallahu alam wa ahla. C'est aussi comme pour dire, je, Allah, vous vois venir petit à petit avec cette volonté de retourner vers ce qu'a été Pharaon et vers ce qu'a fait Pharaon. Donc, Dieu, en faisant sortir ce corps de la terre, de leur rappeler, Aliman Khalfa, à ceux qui veulent lui succéder, dans quoi? Dans l'injustice, dans l'instauration du coffre, qui marche sur les pas de Pharaon, n'oubliez pas, Allah, de leur dire, et rappelez-vous comment a fini Pharaon. Et je vous le laisse dans un musée. Est-ce que on m'entend? Et est-ce que on doit mettre un casque? C'est bon? Est-ce qu'on m'entend correctement? Mettez un casque pour ceux qui m'entendent pas correctement. Je m'excuse. Pourtant, j'essaye de porter ma voix. D'ailleurs, d'habitude, je parle pas aussi fort, mais j'essaye vraiment de parler fort. Est-ce que on m'entend? J'essaye, Rabbi, de parler le plus fort possible. Et puis sinon essayez de mettre un casque, ou ceux qui ont Instagram d'aller sur Instagram. Majda, j'ai vu que tu as rejoint Facebook, si tu peux me dire si on m'entend. C'est bizarre parce qu'il y a des gens qui me disent m'entendre très bien, puis d'autres ya Allah ya Rabbim. Donc on revient, je suis désolée dans le fil du sujet pour ne pas vous perdre. Et puis je vous promets avec l'aide d'Allah de vous envoyer un audio sur WhatsApp, ou de vous permettre d'avoir un son meilleur, Inch'Allah. Donc j'étais en train de rappeler et de poser la question de le pourquoi Allah aurait voulu qu'on retrouve donc la momie de Pharaon. Pourquoi Dieu aurait voulu qu'on retrouve donc cette momie durant ce siècle-là? Selon un rapport de la police autrichienne de 1818, on a trouvé les premières traces de cette momie dans ces eaux-là, 1817-1818, a été créée en Égypte à cette époque une organisation maçonnique qui s'appelle la Société Secrète Égyptienne. Cette société secrète égyptienne, qui était dirigée par Drovetis et l'ancien consul de Napoléon, eh bien, elle aurait conspiré contre l'Empire ottoman avec ce que cela va entraîner. Elle va aussi conspirer en faveur du pacha Mehmet Ali, qui est considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne. Et cette société secrète, qui avait adopté le rite égyptien de j'arrive jamais à le prononcer, de Kaglouistro,
Donc aussi en usage en Italie, et puis on la retrouve aussi en Écosse et en France, pour dire que ça s'est développé un peu partout. Et là, comme par hasard, on retrouve la momie qui refait surface. Alors, je ne vais pas m'étaler car ce n'est pas mon propos, mais il suffit d'aller sur l'encyclopédie Universalis. En tapant Pharaon, on peut lire homme, donc dans leur définition, homme et Dieu. Le Pharaon joue, au moins en théorie, un rôle important sur Terre. C'est lui, en effet, qui est chargé d'assurer, dans leur croyance, l'ordre universel conformément à la déesse Mat. La fonction donc essentielle de Pharaon est de maintenir cet ordre universel. Et il semblerait que l'Égypte continue de passionner nos élus et les hautes instances. Monsieur Macron, le dimanche 27 janvier 2019, d'après un article qu'on peut tout à fait lire sur Le Point, s'est rendu avec son épouse dans l'extrême sud de l'Égypte. Et l'article, je cite, de dire « Un puissant vent de sable venu du Sahara, le Khamsin, recouvrait un épais brouillard jaunâtre, le lac Nasser et les immenses statues du pharaon Ramsès II à l'entrée du grand temple. La solennité des lieux était accentuée par l'absence de touristes, le site ayant été fermé pour l'occasion par les autorités. Et donc en s'y rendant, Emmanuel Macron aurait voulu célébrer, mais quelques mois de retard, le 50e anniversaire du sauvetage des temples d'Abu Simbel. Allez savoir ce qu'ils ont fait dans ce temple. » Et dans Paris Match, Mélenchon de dénoncer plus tôt, hein, beaucoup plus tôt, un franchissement, dit-il, je le cite, « un franchissement de seuil dans la dimension pharaonique de la monarchie présidentielle telle qu'elle avait été mise en scène, vous vous rappelez, je le pense, le soir de la pyramide du Louvre, lors de son investiture, et l'investiture donc de notre président actuel. » Donc on n'a pas besoin... On n'a pas besoin de tirer par les cheveux les faits. L'Égypte et ses pyramides ne sont pas loin. Et tout ça pour rappeler quoi? L'importance de l'étude de nos textes et pourquoi, et la hikmah d'Allah de faire que, il a fait que dans le Coran al-Karim, on retrouve dans de nombreux passages des hikmahs à tirer sur Moussa alayhi salam, ou Bani Israël et Pharaon. Donc, notez bien que, et j'espère que j'en ai pas perdu en route, notez bien que les humains diffèrent à l'égard de la vérité et du courage. Il y a ceux qui vont voir la vérité et qui vont se taire sur ce qu'ils ont vu. Et en se taisant, eh bien, ils vont cacher la vérité. Il y a ceux qui vont la diffuser et qui sont prêts à en payer le prix parce que la vérité coûte cher. Et puis, il y a ceux qui vont mêler la vérité au faux. Et Allah de nous dire, « Wa la talbisu al-haqqa bil-batli, wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. » Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Donc, deux catégories. Le fait de mélanger le faux à la vérité et le fait de cacher sciemment la vérité. Et Dieu de nous dire, « La talbisu al-haqqa bil-batli, ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. » Et les plus grands des mensonges ont toujours été sciemment cachés, mais plus encore, les plus grands des mensonges ont toujours été saupoudrés de vérité. C'est ce qui complique la chose. C'est-à-dire que quand il y a dans le faux du vrai, bah, du coup, tu ne sais plus trop quoi faire. Et on sait que à la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la venue du Dajjal. Et le Dajjal, ça veut dire quoi? Entre autres, c'est le trompeur qui mélange les mensonges à la vérité. Et puis, bien sûr, concernant la vérité, il y aura ceux qui continueront de prendre les droits d'autrui tout en sachant qu'ils sont fautifs, mais qui continueront de le faire au nom de leur vérité. Et les pires seront ceux qui ne bénéficieront pas des avantages des trompeurs, mais qui s'évertueront à les faire passer pour des véridiques. Alors là, cela, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'ils gagnent en échange?
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat, de faire dans son dernier desserrement, il va nous dire dans le sens, je prends Allah à témoin, j'ai fini ma mission. J'ai transmis les connaissances et maintenant dans le sens, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. J'ai fini ma mission, j'ai transmis les connaissances et maintenant dans le sens, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Donc pour reprendre la vocation qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faveur d'Ibn Abbas, parce que j'ai commencé le rappel comme ça, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Dieu accorde-lui la compréhension profonde dans tous les domaines qu'englobe notre din et enseigne-lui le ta'wil. Qu'en est-il du ta'wil? Le ta'wil, c'est la science de l'interprétation et chercher à comprendre à l'intérieur ce que Dieu a voulu dire, ce que Dieu a voulu faire, ce que Dieu veut nous faire comprendre, ce que c'est-à-dire ce que Dieu a voulu faire ou nous faire comprendre dans ce qu'il a dicté à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil Qur'an al-Karim, mais pas que. On va le voir. Dans le mot ta'wil, il y a le sens d'une interprétation de fait écoulé et réalisé et dicté. Écoutez-moi bien. Dans le mot ta'wil, il y a le sens d'une interprétation. Donc, ta'wil, ça veut dire interprétation de quoi? De fait écoulé et réalisé et dicté. Mais aussi, il y a le sens de la science de la compréhension de quoi? De ce qui va se passer. Exemple. Lorsqu'El Khidr dit à Moussa alayhi salam, Sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alayhi sabran. Sourat Al-Kahf. Sourat Al-Kahf, verset 78. Et Ummati, c'est pas un hasard si on doit la lire tous les vendredis. Et c'est pas un hasard s'il y a de grandes choses à connaître dans Sourat Al-Kahf par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. El Khidr de dire à Moussa alayhi salam, dans le sens, hein, donc quand ce que je viens de dire, Sa'unabbi'uka bi ta'wil, je vais t'informer du sens des actions que j'ai faites, que je viens de faire, que j'ai faites devant toi, dont le sens caché t'a échappé, car toi, tu n'y as vu que le sens apparent, et le fait de n'en voir le sens que le sens apparent, ça t'a mis dans un état de colère et d'impatience, car tu n'avais pas les explications des intentions de Dieu, des explications immédiates des intentions de Dieu. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire au sujet de cet événement, donc comme je le dis qui est relaté dans Sourate Al-Kahf, dans un hadith qu'on retrouve dans Sahih al-Bukhari, il dit, et ça je viens de le découvrir subhanallah ce hadith et je l'ai trouvé riche d'enseignements et puissant par rapport au dars de ce soir, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de dire, nous aurions aimé que Moussa alayhi wa sallam patiente. Mais c'est ainsi que Dieu nous a conté cette histoire, c'est-à-dire que quand Dieu a révélé Sourat Al-Kahf au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a l'histoire donc, de ce que je viens de dire et d'autres, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons, nous aurions aimé que Moussa alayhi wa sallam patiente, mais c'est ainsi que Dieu nous a conté cette histoire. Pourquoi il dit on aurait aimé que Moussa patiente? Dans le sens où nous aurions aimé déjà passer plus de temps en compagnie de l'Khidr, parce qu'en passant plus de temps en compagnie de l'Khidr, on aurait su davantage sur quoi? Sur cette science du ta'wil. Avant que l'Khidr lui dise « Hada firaqu bayni wa baynak ». Dans le mot ta'wil, excusez-moi, je vais prendre une petite boisson. Alors, j'essaye de parler fort, excusez-moi pour ceux qui sentent que je crie, j'aime pas ça. J'essaye de faire en sorte qu'on m'entende. Donc, je disais que dans le mot ta'wil, il y a le sens d'une interprétation de fait donc écoulée et réalisée et dictée, mais il y a aussi la science de la compréhension et puis, plus que ça, la science de la compréhension et de l'acceptation des faits, lesquels? Les faits qui se réalisent pour ou en vue de ce qui va se réaliser. Je répète,
Al-Khidr veut apprendre à Moussa alayhi salam cette science du ta'wil qui passe par le biais de l'acceptation des faits qui se déroulent devant toi, qui se réalisent devant toi, pour en vue, pour ou en vue de ce qui va se réaliser. Pour exemple, dans Sourate Al-Kahf, au verset 82, et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous ce mur un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité, et puis plus tard, ils pourront en extraire eux-mêmes le trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Donc, j'ai dû donc reconstruire ce mur, malgré le fait que pour toi, il ne le méritait pas. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Voilà donc, qu'est-ce que dit le verset? Voilà donc le ta'wil, l'interprétation explicative de ce que tu n'as pas réussi et pu endurer avec patience. Donc, dans le mot ta'wil, il y a l'idée d'interprétation, mais aussi l'idée de réalisation, comme dans le sens du verset 37 dans la sourate 10. Donc comprenez, ta'wil et sa richesse en arabe. Le sens du mot ta'wil, il y a l'idée d'interprétation, mais aussi l'idée de réalisation. Et dans le verset 37 de sourate 10, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Plutôt, ils ont traité de mensonge ce qu'ils n'ont pas cerné de leur connaissance et dont ta'wiluhu, la réalisation, ne leur est pas encore venue. Donc comme la réalisation ne leur est pas encore venue, c'est pour eux mensonge. De même, pour le mot ta'wil, au sens de réalisation, on a le propos de Aïcha radiallahu anha qui disait au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yata'awwalu al-Qur'an, yata'awwalu, c'est ta'wil, ça vient du mot ta'wil, ce qui voulait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étant ce Coran qui marche et en prononçant telle ou telle parole, réaliser en fait ce que le Coran lui demandait de réaliser. Et ça, on le retrouve dans le Bukhari ou le Muslim. Et enfin, toujours dans cette idée de réalisation et d'accomplissement de la promesse divine, on retrouve le verset 100 de Sourat Yusuf. Quand Yusuf s'adresse à son père et il lui dit « Ya abati, hada ta'wilu ru'yai min qablu » Donc il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent devant lui prosternés. Et Youssef alayhi salam de dire « Oh mon père !» Voilà, mais voilà en fait l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé et il m'a certainement fait du bien. « Qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi » Quand il m'a fait sortir de prison, donc je continue le verset, et qu'il vous a fait venir de la campagne du désert, après que Dieu ait suscité la discorde entre mes frères et moi, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Dans ce verset 100, le sourate Yusuf, on a comme un voile qui se lève. On a comme un voile qui se lève avec une sorte de « Ah, mais je comprends maintenant tout ce que j'ai enduré et la raison » pour laquelle j'ai enduré tout ça et j'en vois le bout avec cette happy end. Et ce verset sent de montrer aussi que dans notre immédiateté, dans l'immédiateté de nos épreuves, on n'a pas forcément le sens, on n'en comprend pas forcément le sens, en tout cas pas complètement et dans la majorité des cas. Youssef kidnappé par ses frères, Youssef jeté dans le puits, Youssef vendu en tant qu'esclave, Youssef en prison, etc. etc. Si tu n'as pas l'intervention de Dieu dans ton cœur, tu ne comprends pas ce sentiment d'acharnement quasi du destin sur toi. Si c'est toi qui vis tout ça, si c'est toi qui vis ce rejet de tes frères et sœurs, si c'est toi qui vis cet enfermement injuste, si c'est toi qui vis ces tentations, ces mensonges, etc. Sauf si Dieu intervient dans ton cœur pour te faire patienter sur ta'wilou. Et là, dans ce verset 100, il y a comme une révélation du quoi? Du ta'wil final. Qui te dit,
si tu as patienté, si tu as confiance au décret divin et en son omniscience, sa sagesse, en sa sagesse et en sa douceur, pourquoi sa douceur? Parce que Youssef a dit Latif, Youssef a dit Latif en lima yasha dans le verset 100, tu seras donc dans l'acceptation que tout se réalise comme Dieu sait et veut. Et puis là, il y a une sœur de nous dire sur les commentaires que Ta'wil en berbère, dans sa langue, ça veut dire Subhanallah, patience, ajib. Donc la patience, que les choses se réalisent. Magnifique. La richesse des mots, c'est magnifique, Subhanallah. Dieu va aussi lier le terme Ta'wil dans le Coran au sujet de l'interprétation des rêves. Ta'bir, avec Youssef, alayhi salam, toujours. Le verset 6 de Sourate Youssef. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ كَوَا مَنْ يُعَلِّمُكَ كَوَا مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera, Sourate 12 verset 6, l'interprétation des rêves. تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ, c'est aussi l'interprétation de tout ce qui a été vu et rapporté. Ce verset, eh bien, il met aussi et ainsi l'accent sur le mot ta'wil, qui veut aussi dire ton Seigneur va t'apprendre la science de l'aboutissement et de la réalisation. Littéralement, la science des conséquences, des paroles des gens sur ce qu'ils ont vu durant leur sommeil. J'ai fait cette hyper longue introduction pour expliquer en réalité que le ta'wil, la science de l'interprétation, concerne, d'après nos sources, non seulement le monde du rêve, le monde des textes avec le Qur'an, mais aussi le monde que nous appelons communément le monde de la veille, monde dans lequel on est en train de vivre, le monde dans lequel nous vivons. Ces deux mondes, ou ces trois mondes, le monde des livres, du texte, le monde de nos livres, le monde du sommeil, des rêves, et le monde dans lequel nous sommes en train de vivre et notre vie, tous doivent bénéficier d'un ta'wil, c'est-à-dire tous ont besoin d'être lus, compris et interprétés. On ne doit pas précision, parce que là j'ai parlé du monde du sommeil, on ne doit pas aussi abandonner l'importance du rêve. Et d'ailleurs ça a été abandonné, mais ça avait une très grande importance en islam dans les premiers temps. D'après Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au fur et à mesure que le temps progresse, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'on arrive vers la fin des temps, le rêve du musulman va devenir de plus en plus vrai. Ceux d'entre vous dont les rêves seront les plus vrais seront ceux qui éviteront donc le plus le mensonge. Et le rêve du musulman est l'une des 45e partie de la prophétie. Donc après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prophète. Et donc les rêves pour les gens pieux deviendront des ro'ya à interpréter. Il existe trois sortes de rêves. Le bon rêve qui est une bonne nouvelle venue d'Allah, le mauvais rêve à travers lequel Satan rapporte et apporte de la tristesse, et puis le rêve qui n'est que le reflet de nos propres pensées. Et ça, on trouve dans le hadith de Muslim. Donc, dans l'enchaînement des faits de l'actualité, qui nous aveugle plutôt que de nous éclairer, on a, et c'est pour ça que j'ai fait toute cette introduction pour expliquer qu'est-ce que le ta'wil, on a tout intérêt à faire l'effort d'user de notre entendement et de faire appel au ta'wil afin d'éviter de nous égarer dans quoi? Dans cette forêt d'apparence. Et nos erreurs d'improvisation interprétative doivent laisser la place à quoi? Au contrôle d'une observation stricte et vérifiée pour essayer de distinguer peu à peu ce qui paraît être de ce qui est vraiment. Et on nous a appris que la sourate Al-Kahf aura un grand rôle à jouer dans la fin des temps, car une de ses fonctions est de nous mettre en garde entre le réel et ce qui apparaît comme tel. Et en ces temps où l'État cherche à avoir le monopole sur l'interprétation du réel, il est important aussi et ainsi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, la science du ta'wil, la science du tafsir, la science du balagh, la science maintenant du bayan et du furqan, la science de l'éclaircissement et du discernement. Afin de ne pas nous laisser embarquer dans quoi? Dans cette imposition de quoi? D'une vérité de fait exagérée, vs une vérité de raisonnement. C'est Coluche
qui disait si la Gestapo avait les moyens, ouais, c'est agib, hein, vous êtes dans un dars où je cite le Coran, mais aussi je cite Coluche, et puis je vais citer des gens de tous les univers. Coluche disait si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens aujourd'hui ont les moyens de vous faire taire. Et dans cette volonté d'instaurer un monopole sur l'interprétation du réel, on attend de nous que l'on se soumette et surtout que l'on cesse de réfléchir car ils disent le faire très bien à notre place. Et le musulman et les musulmans ont abandonné le ta'wil. Ils ont abandonné le fait de réfléchir. Et on est une société, on est devenu donc des consommateurs, mais des consommateurs de tout. On veut du prêt à cuire. On ne cherche plus à réfléchir. On demande nos représentants de réfléchir pour nous. Oui, c'est bien qu'ils réfléchissent, mais réfléchissez-vous aussi de votre côté parce que vous avez un libre arbitre, parce que vous avez aussi une vérité à comprendre et à entendre. Goebbels, je ne sais jamais bien le prononcer, c'est un homme d'État allemand. Il disait quoi? Il disait, répétez un mensonge 1000 fois et il restera un mensonge. Répétez-le 10 000 fois et il deviendra une vérité. Je répète et je pense que c'est clair et ça veut tout dire. Répétez un mensonge 1000 fois, il restera un mensonge. Répétez-le 10 000 fois et il deviendra une vérité. Et puis tu te retrouves, toi, à dire certaines vérités, à relayer des informations qui sont pour toi des vérités. Et puis tu te retrouves avec des gens qui te disent « Mais non, mais on a dit ça, mais ça a été dit tellement de fois, c'est dit tellement de fois. » Et du coup, ça, c'est fini. Et ça finit par être accepté parce que ça a été répété par les médias et que comme ça a été dit 10 millions de fois, ben c'est vrai. Or, « وَيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ » Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité. Quelques répulsions qu'en aient les criminels. Sourate Younes, verset 82. Donc dans son étymologie, en arabe, le mot ta'wil, il englobe la notion d'explication de notre destinée, mais aussi cette idée de dimension cyclique. Comprendre ce qui se répète dans l'histoire, pourquoi? Pour ne pas répéter les mêmes erreurs, d'où l'importance de connaître, d'apprendre, de connaître et d'apprendre, donc, toute notre histoire et tout notre passé. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous rappeler, les gens dorment et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Les gens dorment et c'est quand ils vont mourir qu'ils vont se réveiller. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu es en train de dormir. Ça veut dire que tu es dans une réalité apparente, que tu n'as pas toutes les informations. Et pire encore, c'est qu'on te met dans une... on t'endort encore plus. Je pense que l'art du ta'wil, il va te libérer et te permettre de te réveiller avant de mourir ou de nous faire sortir de cet état de fantôme, d'assommement ou d'abrutissement dans lequel on essaye de te mettre ou de nous mettre. Et les yeux ne voient que ce que l'esprit est prêt à comprendre et à entendre. L'art du ta'wil permet de réveiller notre conscience qui a tendance à vouloir sommeiller et ne pas vouloir voir et comprendre, ou ne pas vouloir faire l'effort de chercher à voir et à comprendre. Parce que, oui, il faut faire cet effort, et que ce n'est pas naturel. Il y a le sens apparent et le sens caché des choses, et à Dieu appartient la connaissance des deux, et il accorde le ta'wil à qui il veut, et à qui celui qui fait l'effort de le chercher.